Donc, travail sur le terrain, là, on apprend à Onyx de se désintéresser des poules. Voilà, donc tout se passe bien avec le chat, mais maintenant, il faut que, voilà, il respecte aussi les poules. Donc, on a vu qu'il était capable évidemment, de s'intéresser aux poules, donc un petit peu d'instinct de prédation. Et du coup, pour pouvoir rentrer, sortir tranquillement du poulailler, eh bien, on redirige son attention sur de la recherche de nourriture. Donc, voilà. On peut dire que ça fonctionne. À aucun moment, il s'est intéressé aux poules. Super. Voilà, très bien. Voilà, tu poses par terre, tu éparpilles. Très bien. Voilà, on rentre dans le poulailler, troisième poulailler. Donc comme Onyx a ses petites habitudes, eh bien il faut les couper parce qu'il devance sa maîtresse. Et puis voilà, chasse aux poules. Voilà. Et comme la récolte des œufs se fait à l'intérieur, c'est difficile d'avoir et un œil sur Onyx et sur ben, les poules qui sont en libre juste là. Voilà. Donc du coup, Onyx prend le temps de chercher ses petites. Nous voici au quatrième ou même cinquième poulailler. Qu'est-ce que tu m'as dit? Avec les œufs, ouais. Voilà. Et Dieu sait que la tentation, elle est à portée de truffe. Hein.